Seigneur, merci pour l'opportunité ou ba nous encore une fois pour nous capables devant. Et merci pour Saint-Esprit ou cap éclairer nous. Merci pour parole ou cap devant nous, Seigneur, comme une boussole pour capable diriger nous dans la vie nous. Et Seigneur, parce que c'est vous-même seul qui capable faire ouverture sous parole ou c'est vous-même seul qui capable interpréter parole ou. Seigneur, nous prions que interprétation parole ou capable claire et que li capable simple en sorte que Seigneur li capable amener nous assembler à vous-même, assembler avec Jésus-Christ. C'est prier nous ça, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Sujet que nous avons traité à Soya, c'est un sujet spécial, et comme moi t'ai dit, c'est l'absurdité d'une vie sans Dieu. Et donc, c'est comment ça pas fait sens et pour que un monde abvive la ville sans bon Dieu. Donc, c'est sujet ça que nous avons traité à Soya. En principe, lorsque vous considérez tout être qui existait dans l'univers, on va prendre compte que c'est seulement l'homme qui posait tête les questions. Et tout l'autre être qui existait, il est tout simplement là. Et il n'a pas même conscience que il existait. Parce que tout simplement, il y a un instinct qui pour guider, qui pour permettre de défendre tête, et qui pour permettre de faire face avec danger et faire face avec incertitude la vie. Cependant, l'homme différent, l'homme pensé, et l'homme posait tête les questions, l'homme connaît que lui existait. Et donc, l'homme posait tête les questions par rapport à l'existence. Mais en général, qui question que l'homme posait tête les par rapport à l'existence, c'est 5 questions fondamentales. 5 questions que en pile monde toujours posait tête. Il y a des gens qui tout simplement vivent la vie. Ils n'ont pas posé tête les questions. Mais c'est des questions fondamentales. Première question, c'est qui est au sorti? Qui origine nous? Et ça, fondamental. On ne peut pas capable de vivre sans qu'on ne soit pas capable de sortir. Et donc, son question traverse le monde. Quel que soit le monde qui existe, il veut qu'on est, il doit qu'on est, qui côté le sortir. L'autre question, c'est qui est-ce nous? Qui identité nous? Lorsque nous regardons la création, lorsque nous regardons l'homme, le prince de la création, qui côté l'homme sortir? Ça, fondamental pour nous connaître. Il y a plusieurs mondes qui essaient de différents éléments de réponse à qui côté nous sortir. L'autre question qui est importante, c'est est-ce que la vie nous a un sens? Et c'est sujet ça que nous avons traité, est-ce que la vie nous a un sens? Et ça, c'est une question que un pile monde pose tête. Qui sens que la vie me gagne? Est-ce que moi j'ai une valeur? Est-ce que valeur que moi j'ai sont valeur intrinsèque? C'est-à-dire que moi j'ai une valeur à deux par moi-même? Ou est-ce que valeur que moi j'ai sont valeur extrinsèque? C'est-à-dire que son bagage qui bon valeur. Tant coup éducation c'est lui qui bon valeur. Tant coup bien que me posséder c'est lui même qui bon valeur. Tant coup zami que me gagne c'est lui qui bon valeur. Ou bien est-ce que moi gagne valeur de par moi-même parce que moi créé selon la ressemblance de Dieu. Mais lorsque on fin connaît identité, il est important pour connait qui sort doit faire, comment on doit vivre. Et donc là, il a adressé la question de la moralité. Comment dois-je mener back la vie? Comment dois-je vivre la vie? Et finalement, et ça, c'est une question qui traverse pratiquement tout le monde qui existait, quelle que soit génération, depuis le début des civilisations, l'homme t'est toujours posé cette question ça, à savoir qui ça pourra arriver après l'homme fin mourir. Et donc 5 points fondamentaux dans la vie l'homme. Premièrement, origine. Tout le monde besoin qu'on côté au sorti. Identité, tout le monde besoin qu'on qui est sur yé. Sens, est-ce que la vie fait sens, signification, comment on doit vivre la vie, moralité et finalement, qui côté on peut aller après la mort et donc son question de destinée. En pile, le monde essaye de répondre à la question ça. Il y a un physicien, il y a un biologiste qui est plus célèbre qui existait. Et actuellement là, monsieur, c'est comme ça que monsieur essaye de répondre à ça. Donc, monsieur écrit un livre, livre en relais pour en finir avec Dieu. C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas dans le bagage bon Dieu, ça même encore. Et titre livre, c'est The God Delusion, pour en finir avec Dieu. Mais comment monsieur est la vie? Mais comment monsieur est l'homme? Mais comment monsieur est nous? Et c'est un monde qui est plus intelligent. Monsieur dit qu'il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception, ni dessein, ni mal, ni bien. Rien sinon l'indifférence aveugle. Nous sommes des machines à propager l'ADN.
Mais comment monsieur interpréter sens la vie? C'est comment li, c'est comme ça que li ouais nous-mêmes, c'est comme ça li ouais tête li ouais que nous pas des monde qui gain valeur du tout. Nous pas des monde qui camper sous rien, pas gon design qui fait nous là. Nous tout simplement là, c'est le fruit du hasard, c'est temps qui combiné avec matière, qui combiné avec chance. Et donc finalement, wall la vie, nous c'est qui ça? Tout simplement propager ADN, propager cellules que nous gagnons. C'est comme ça li well. Et donc dans ce sens ça, yo wè que bon Dieu pas existé. Yo wè que bon Dieu pas existé et donc bon Dieu, c'est tout simplement en construction. Et donc réponse à la question, c'est que sous origine l'homme, c'est que l'homme son accident. Donc tout le monde qui l'a selon conception monsieur Sayo ou là par accident ou pas là par but. La vie ou pas gen but, la vie ou pas gen sens, ou t'es venu pour rien, ou pralé pour rien, et donc ou c'est un accident qui là. Trois bagailles qui combinent de façon accidentelle qui fait que ou là. C'est temps, c'est matière, et puis c'est chance, le hasard. Mais qui ça aboutit nous en termes de conclusion logique et inévitable? Conclusion que nous venons dans ce sens là, c'est que nous pas gagné absolument aucune raison d'être. Si vous avez avancé avec PowerPoint là, si vous êtes capable de suivre moi avec PowerPoint là, chaque temps m'a pas avancé pour avancer tout, m'tape content. Et donc conclusion logique là, c'est que nous pas gagné aucune raison d'être de façon fondamentale. Et son seul bagage qu'a tendre nous, son seul conclusion qu'a tendre tout le monde là, c'est que tout le monde là va mourir. Et ça a son certitude, son fait, son réalité liée et c'est tout ça qu'a tendre nous. C'est comme si on t'a dit ou si on m'a demandé ou et qui sont ouais pour la vie ou à l'avenir. Réponse ou c'est tout simplement simple, c'est la mort. Et donc la mort vient tourner en finalité. Et donc c'est là que tout le monde ouais la vie. Avancez avec PowerPoint là pour moi s'il vous plaît à l'arrière. Et donc lorsque nous en contact avec la réalité, il y a trois questions qui fondamentales que nous poser par rapport avec différentes questions que nous avons regardées tout à l'heure. Nous voyons que la science ba nous en pile information. Grand pile données que nous connaissons sur la science. La science dit nous que tout ça nous supposé connaître sur plusieurs bagailles. Mais cependant la science pas ba nous information sur signification la vie nous. La science pas dit nous rien sur sens la vie nous. Lorsque vous posez question à la science ou dit la science qui ça pral fait de la vie finalement. Réponse que vous gain pour ba ou c'est rien. Rien. Mais réponse ça qui joigne à la vie. Et lorsque vous posez aux questions à savoir, mais expliquez-moi, pour qui ça tout bagaille qui dans l'univers, pour qui ça que tout bagaille existait? Et donc, réponse que vous avez à la question ça, vous existez tout simplement parce que vous existez. Alors, en pile fois, lorsque la science a parlé de l'origine planète là, vous voyez que planète là, vous définissez comme yon bagaille, ou bien deux points de vue, ou bien premier point de vue qui voit que planète là, il était toujours existé. Donc, il y a des gens qui disent que ce qui est là, c'est qu'il était toujours là. Il était toujours existé. Et nous prenons le puis devant que Salomon a une conception comme ça. Et nous prenons expliquer pour qui ça Salomon a une conception ça. Dans l'étude que nous prenons faire là, nous avons utilisé Salomon comme toile de fond pour nous capables de comprendre penser ça, penser existentialiste ça. Il y a un philosophe qui a réfléchi sur la grosse question ça et comment elle est. En pile scientifique, ouais que gen moun ki di que la terre li était toujours existé. So ouais là, c'est li était toujours là et donc la terre li éternelle. Mais lorsque on dit que la terre éternelle, li vin poser en contradiction au niveau de la science lui-même. Pour qui ça? Parce que en dan loi physique yo, ou gen yon loi que relé la seconde loi thermodynamique. Deuxième loi thermodynamique, là vle di ki ça? L'Ivle dit tout simplement que la Terre a utilisé une source d'énergie qui est épuisable. Si la Terre a utilisé une source d'énergie qui est épuisable, ça veut dire que source d'énergie, elle a un commencement, elle a une fin. Et puisque elle a un commencement et que c'est énergie ça que la Terre a utilisé, et donc la Terre n'est pas capable éternelle, elle a besoin d'un point de départ, elle a besoin d'une heure que le commencer. Et donc, il y a une deuxième catégorie de scientifiques qui disent effectivement, la Terre pas éternelle, elle était gon l'heure que elle était commencé. Elle était commencé sous base yon explosion que ont relé Big Bang. Et donc lorsque gros explosion ça a produit et donc ça vient engendrer tout ça qu'on voit là
dans l'univers. Et donc, c'est comme ça que vous arrivez à définir le concept ça. Et donc, troisièmement, finalement, question que vous avez besoin de poser, c'est tout. Si l'univers existait par chance, et donc Big Bang, non, il juste été que il produit tête. Et c'est même genre que nous sommes capables de nous chiter là, et puis n'importe quoi produit de façon nous pas même attendre, parce que c'est comme si ça voulait montrer nous. Parce que ce sont des choses qui n'ont pas fait sens, parce que un rien pas créé à partir de un rien. Il n'est seulement pas véritable, il n'est seulement pas véridique, il n'est pas empirique, ou pas capable de vérifier que un rien commençait à partir de un rien. Parce que tout ça qui commençait à exister besoin de cause. Et automatiquement, ou d'accord que l'univers, à un certain moment de la durée, il pat là. S'il pat là, c'est que il vient là à un certain moment de la durée. Et s'il vient commencer à un certain moment de la durée, ça veut dire que le pat est éternel. Et donc, si il vient là à un certain moment de la durée, et donc, à cause de la science qui bâtit sous causalité, et donc l'univers a besoin de cause. Et qui causal, il a besoin de cause première. Donc, il a besoin de cause qui pas sujet avec temps. C'est-à-dire qu'on cause qui n'est pas temporelle du tout, on cause qui est transcendant. Et il a besoin de cause qui n'est pas dans l'espace. Et donc, il a besoin de cause qui est capable seulement de ressembler avec bon Dieu. Et puis, devant nous, capable élaborer davantage sur thème ça. Mais finalement, question que vous venez poser, c'est qui est-ce nous est finalement? Et donc, question que et quelques hommes de science disent, ils disent que nous, tout simplement, nous sommes accidents. Nous sommes mélange de hérédité et de conditionnement. Mais tout ça que nous y est, et rien de plus. Et donc finalement, lorsque le monde commence à réfléchir sur ce qui est, il commence à arriver à une conclusion. Et la conclusion, c'est que la vie absurde, la vie pas fait sens. Et donc, il y a quatre catégories de monde qui commencent à réfléchir avec ce qui est. Dans un premier temps, il y a Salomon, qui ça nous est l'ecclésiaste. L'ecclésiaste signifie le professeur, l'enseignant. Ou gagné Albert Camus, qui lui-même a réfléchi sous bagay sa ou nan point pal tout. Ensuite, ou gagné Frédéric Nietzsche et Jean-Paul Sartre. Pour chaque monsieur sa ou, lorsque a considéré l'univers, lorsque a considéré la vie, yo rend yo compte que la vie absurde, c'est-à-dire que la vie li pa fait sens. Et si moi prends, m'pral tourner sous Salomon tout à l'heure, mais si moi prends et Albert Camus dit un bagage qui est extrêmement intéressant que m'tare aimé citer pour nous. Il dit que dans un livre que relé le mythe de Sisyphe, il dit il parle du constat de l'absurdité de la vie et il donne plusieurs bases de ce constat. Donc il dit sous qui ça le chita pour le montrer que la vie est effectivement absurde. Et il dit que l'intellect humain cherche à comprendre le monde et à l'unifier par la raison. Mais le monde n'est pas rationnel et la raison humaine se découvre étrangère par rapport à ce monde. Donc, mais en première source d'absurdité, l'homme a essayé de comprendre l'univers qui existait à travers la raison, parce que c'est seul être dans l'univers qui est doté de raison. Mais plus l'a utilisé raison pour comprendre l'univers, plus il réalisait que l'univers n'est pas capable de répondre à lui-même parce que l'univers n'est pas raisonnable dans ce sens-là. Deuxièmement, il dit que l'homme souhaiterait se trouver unifié au monde, à la nature, mais le simple fait de porter un jugement sur ce point le marque comme distinct du monde qui l'entoure. Donc si l'homme capable de porter un jugement sur le monde qui entoure là, c'est parce que quelque part il est distinct de monde ça. Et donc d'autre part, toute vie humaine a pour fin la mort, mais notre être y refuse et y résiste. Ça l'a dit là, l'a dit que nous tous nous constatons que nous avons une seule destinée, nous avons une seule finalité. Et la finalité, ça, c'est la mort. Donc tout le monde suppose mourir, et lorsque vous mourrez, tout le bagage est fini. Et puisque vous mourrez, tout le bagage est fini, tout effort que vous êtes capable de faire pour capable comprendre la réalité que vous vivez, pour capable comprendre l'environnement que vous vivez là, il finalement pas fait sens parce que carrément la vie est absurde. Et nous devons nous comprendre que c'est un athée qui a parlé là. C'est un athée qui tout simplement réfléchit sur la vie. Et donc, conclusion, monsieur, c'est que la vie, c'est un bagage qui est absurde. Maintenant, Frédéric Nietzsche. Monsieur lui-même, lui, dans les années 60, il vient avec un mouvement, à savoir, Dieu est mort et nous l'avons tué. Et mouvement, ça, il prend toute l'Europe pour lui, même l'Amérique, à savoir que bon Dieu pas existé, bon Dieu mourit. Mais qui ça, Frédéric Nietzsche, te voulait dire?
C'est tout simplement pour expliquer le fait que concept bon Dieu a son mal nécessaire que l'homme inventé pour lui-même. Donc l'homme inventé concept bon Dieu a parce que fondamentalement réaliser que la vie pas fait sens. Et parce que la vie pas fait sens, lui obligé créer un être qui soit en dehors de la réalité, c'est-à-dire en dehors de l'univers, qui était capable de faire la vie sens. Mais finalement réaliser que bon Dieu mourit. Mais lorsque monsieur est arrivé à la conclusion ça, monsieur réalisait que effectivement si bon Dieu mourit, nous toutes nous mourit tout parce que fondamentalement la vie pas fait sens et donc la vie absurde. Maintenant Jean-Paul Sartre lui-même, lorsque monsieur a considéré la vie, monsieur est arrivé à la même conclusion que la vie absurde, la vie pas fait sens. La vie pas fait sens pour qui ça? Parce que tout simplement c'est l'homme seulement qui attend nous. Donc tout le monde qui là ou comme condamné pour mourir et après la mort pas gagner puisque après la mort pas gagner donc après la mort c'est le néant et donc finalement la vie absurde et là où on seule porte de sortie ça y aurait le suicide et donc ou en face d'une belle opportunité que la vie ba ou la vie bon opportunité pour capable sortir tête ou en dans absurdité ça que oui mais cependant on pas obligé sortir tête ou. Alors, c'est Jean-Paul Sartre qui a parlé. Ou pas obligé de sortir tête. Ou est capable tout simplement affronter la vie avec courage. Ou est capable affronter la vie avec bravoure. Ou est capable tout simplement faire comme si la vie était un sens. Mais en réalité, la vie n'a pas un sens. Lorsque je viens présenter nous trois messieurs, qui sont trois athées. Et donc, la question que nous avons besoin de poser, c'est qui ça Salomon a fait parmi trois messieurs réalité, c'est que lorsque vous lisez, lorsque vous considérez toute la Bible, et lorsque vous lisez le livre Ecclésiaste, la première question que besoin poser est tout, c'est qui ça, livre ça, qui est l'Ecclésiaste, à chercher dans la Bible. Parce que lorsque vous lisez, vous avez l'impression que c'est un autre philosophe existentiel qui tout simplement a parlé d'une réalité sans bon Dieu. Effectivement, lorsque vous lisez Ecclésiaste, vous avez chaque fois, Salomon a dit, mais ça loue sous le soleil, mais ça loue sous le soleil, li ouais on mal grave sous le soleil, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et c'est ça que Salomon a exprimé. Tout ça que Salomon a exprimé, c'est que la vie pas fait sens. La vie pas fait sens. Et donc, et Salomon, et Albert Camus, et Friedrich Nietzsche, et Jean-Paul Sartre, tout exprimé le fait que la vie absurde, c'est-à-dire que la vie pas fait sens. Mais lorsque Salomon a écrit dans une perspective, pas en tant qu'un monde qui athée, parce que Salomon levé dans une culture, Salomon levé dans le judaïsme, Salomon c'est le fils de David, donc Salomon pas capable d'écrire dans une perspective que bon Dieu pas existé. Mais cependant, Salomon a écrit dans une perspective de sa querelle déisme. Déisme, vous voulez dire qui ça? Il voulait dire tout simplement que, ok, ou d'accord que bon Dieu existait, mais cependant, ou connaît que bon Dieu n'est pas intervenu dans les affaires des hommes. Bon Dieu tout simplement créé l'univers là, il tout simplement créé monde là, et puis il quitte monde là piloté en mode automatique. Il n'est pas intervenu dans bagaille comme ça. Et donc, puisque il n'est pas intervenu dans bagaille comme ça, donc c'est la loi du plus fort. Donc c'est ça, Salomon après. Salomon a prouvé que il y a pile oppression qui a fait sous terre et pas une personne qui peut défendre personne. Et Salomon a fait constat que toute injustice, ça, injustice après injustice, c'est même bagaille qui a répété. Et a répété de génération en génération. En sorte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et donc, la terre éternelle, la terre tout simplement perpétuelle. Mais quand il s'agit de la vie de l'homme, la vie nous finit à la tombe. Et qu'après tombeau, pas gain absolument rien, c'est le néant. Et donc, tout ça, Salomon capable de nous comme recommandation, c'est jouir la vie. Jouir la vie, parce que la vie, de toutes les façons, n'a pas fait sens. N'a pas fait sens. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Qui ça me présente nous à soi? Je me présente nous quatre philosophies que M. Sayo a présenté. Il a présenté en réalité d'un univers sans Dieu. C'est ça que je me présente nous. Je me présente nous à travers quatre points dans le message. Ça. Pour qui ça yon vie sans bon Dieu absurde? Pour qui ça yon vie sans bon Dieu pas fait sens? Et c'est ça que m'bra lisse présenter nous matin à soir à travers quatre points. Premier point, c'est que si pas gen bon Dieu,
pas gain immortalité, et donc ça a son point fondamental. Si pas gain bon Dieu, personne pas qu'à aspirer à vivre éternellement. Pour qui ça? Parce que le concept de vivre éternellement, il tout simplement pas fait sens, il pas existé, puisque bon Dieu pas là. Et donc, puisque bon Dieu pas existé dans l'équation, non seulement l'homme condamné pour que l'il capable de mourir, éteindre éternellement, mais même l'univers aussi l'il condamné pour l'éteindre. Il y a une pile recherche scientifique qui fait, qui montre que l'univers est en expansion. Donc, il reconnaît que galaxies y a éteint. Et récemment, il y a un scientifique puis très connu, c'est Stephen Hawking, et qui lui-même qui présentait que la Terre pral disparaître, le monde pral détruit, l'univers pral fini. Et lorsque vous regardez ouais, tout pifo scientifique, vous voyez exactement ce qui pral passer. Tout à l'heure, vous pral arriver dans une situation côté, puisque l'univers est condamné, vous pral voir ces glaces qui pral exister dans l'univers, donc pas bien forme de vie encore. Donc tout scientifique, vous réalisez que l'univers condamné et donc l'homme condamné. Maintenant, lorsque vous vivez dans un univers sans bon Dieu, son seul mot qui est capable de refléter, c'est condamnation. C'est-à-dire que tout le monde là, nous sommes condamnés. Parce que sans l'espérance de l'immortalité, la vie nous finit à la tombe. C'est-à-dire que lorsque vous avez pour enterrer ou puisque vous avez pour mourir quand même, automatiquement vous mettez dans le tombeau, tout le bagage dans la vie est fini. C'est-à-dire que le tombeau, c'est le point final lié dans la vie. Et donc, ils estiment que son gros menace. Et menace ça, comment capable faire sens avec la vie, avec lui. Parce que je dis à nous là, demain nous pas là. Demain, ils vont aller chercher, ils vont pas besoin nous. Et Salomon dit, non seulement ils vont chercher, ils vont pas besoin nous, mais même souvenir, même mémoire, ils vont pas besoin. Il y a un auteur qui a parlé qui dit que, et pour monde qui croit que c'est important, essayez seulement mourir pour rendre compte combien c'est important. Demain matin, ils vont remplacer. Et vous pouvez voir les gens qui viennent dans le terme, son seul bagage qui est intéressé, le programme ça a trop long qu'il l'a fini. Parce que vous êtes oublié. Et donc, si la vie finit dans ton blanc, la vie n'a pas fait sens. Et donc, c'est le premier point à regarder. Sans Dieu, il n'y a pas d'immortalité. Et parce qu'il n'y a pas d'immortalité, la vie n'a pas fait sens. Et deuxièmement, nous allons regarder que sans bon Dieu, sans immortalité, pas de signification ultime. Donc, si bon Dieu n'a pas existé, et que pas gain immortalité, c'est que toute bagaille prend fin à la mort. Mais si toute bagaille prend fin à la mort, raison que vous besoin poser tête, question que vous besoin poser tête tout, mais finalement pour qui ça m'était obligé vivre? Pour qui ça m'était obligé vivre? Est-ce que gon raison qui fait me besoin vivre? Puisque toute bagaille finit à la mort et le fait que m'était vivre, ça pas gain pièce importance. C'est-à-dire que m'te vive, que m'pap vive, ça pas gen sens. Et c'est ça que fait encore Salomon a comparé ou même avec yon avorton, l'a comparé nous-mêmes avec yon chien. Et finalement, Salomon a dit, qui différence qui gen entre moun nan avec bête là? Parce que tous les deux mourir, tous les deux descendent. Qui sait? Peut-être l'esprit, l'homme nan monte en haut, l'esprit bête là descend en bas. Qui sait? Toutes ces vanités. Et donc finalement, la vie nous absurde. La vie nous pas fait sens sans bon Dieu. Mais ça qui est dû dans la réalité, ça, c'est que si la vie globalement pas fait sens, si l'univers pas fait sens, et si que nous tous nous condamnés à l'extinction, l'univers condamné, chaque monde qui chita là individuellement condamné, question que nous posons peut-être non, et activité n'a pas fait, est-ce que vous faites sens? Finalement, elle pas fait sens pour que un docteur entre dans la clinique pour le travail, puisque la vie pas fait sens finalement, à qui ça servit? Pour un docteur à travailler pour le faire médicament, pour un chimiste à travailler pour le faire médicament, à qui ça travaille pour défendre le droit du monde. De toutes les façons, la vie nous pas vaut rien. Et donc, si la vie nous pas vaut rien, activité que nous avons fait, yo tout aussi pas vaut rien. Et donc, toute activité que nous avons fait pour nous remplir la vie nous, et finalement, personne là-dedans pas gain sens. Personne là-dedans pas fait sens. Par contre, combien de monde qui sent-il capable de vivre dans un univers comme ça? Mais c'est à qui ça, un univers sans bon Dieu semblé? Sans bon Dieu, ou pas gain immortalité. Et sans bon Dieu, sans immortalité, ou pas gain but. Et donc, ou t'es venu en vain, et c'est en vain que vous pralé. Et troisièmement, sans bon Dieu, sans immortalité, ou pas gain absolu. Et donc, ça veut dire que tous les coups sont permis.
Ça veut dire si pas gain absolu. Donc si la vie rivé dans tombeau et que toute bagaille fini et donc là fondamentalement capable dire que pas gon différence que m'te vive la vie bien finalement à qui ça servi pour me vivre la vie bien à qui ça servi pour me vivre bien à qui ça servi pour me vivre une vie honorable puisque de toutes les façons nous tout a mouri et lorsque nous mouri toute bagaille fini et donc nous t'es fini en vain nous fini en vain et c'est ça en pile monde exprimé lorsque on dit que dans un univers côté pas gain bon dieu pas gain immortalité pas gain but qui ça veut dire ça veut dire que pas gain absolu pas gain absolu veut dire que pas gain valeur ça dit que la vie vinn pas faire sens la vie monde vinn pas faire sens encore pour qui ça parce que pas gain rien dans l'univers qui fait sens et m'te raconter nos histoires comment on zanmi monsieur t'a visité musée génocide et au Rwanda et lorsque monsieur ouais dans 100 jours il y a près de 1 million de monde qui massacré et donc monsieur dit il perdu la foi il vient pas croire dans bon dieu encore mais ça que monsieur pas réalisé parce que c'est que il perdu net parce que monde qui fait massacre ça yo c'est parce que pour eux-mêmes il y a vivre dans un univers sans bon dieu dans un univers côté bon dieu pas présent et puisque bon dieu pas dans l'équation la vie pas fait sens et puisque la vie pas fait sens la vie pas vaut rien et puisque la vie pas vaut rien donc ça pas c'est pas un problème si chaque monde là yon tue l'autre finalement qui ça servi ça pas servi à rien c'est même j'en regardé dans la jungle où est que yon lion par exemple il prend un antilope il dévore elle est-ce que ça fait sens dans la jungle ça pas fait absolument aucun sens dans la jungle parce que tout simplement c'est comme ça yoyé et c'est même bagaille pour la vie nous lorsque la vie concevoir sans l'existence de Dieu puisque pas gain but ultime et donc la vie pas fait sens. Et lorsque m'a parlé avec Zami, maintenant il dit que m'a essayé convaincre lui pour me dire non, au contraire, le mal pas exclu l'existence de Dieu, au contraire, le mal confirmait l'existence bon Dieu. Et c'est pendant m'a parlé avec lui, il dit me laisse comme ça passer en camper sous sujet ça. Parce que ou pas gon idée de horreur que me vive lorsque me camper devant et mass grave ça, lorsque me camper devant tombeau ça m'a regardé moi près de 250 000 cadavres inhumés donc bah ça dit pas fait sens pour moi et donc il dit tant si ouel ou même si vous faites expérience là ou même après ça nous capable parler et c'est ainsi que moi j'ai entrepris un voyage dans Rwanda j'ai besoin faire voyage là parce que son ami cher à moi même j'ai besoin en mesure pour me capable convaincre lui mais puisque il dit laisse tout autant pas ouel à yeux pas donc pas grand rien ou dit là cap fait sens effectivement. Lorsque je rivé m'a visité différents salles, il y a plusieurs salles côté à montrer horreur génocide là. Moi capable dire que émotionnellement m'étais préparé, m'étais connais à qui ça m'ta faire face. Et donc je pensais que m'étais plus ou moins capable de résister. Mais cependant lorsque je rivé devant salle, il y a montré timonio, il y a montré photo timonio. Et c'est là ça moi-même me vienne pas capable kembe encore, m'pas ka kembe larmes dans yeux parce que m'a demandé comment monde fait fond bagaille comme ça. Et pendant ma parole, il y a une image de Timon qui vient dans la tête, c'est un certain Francine. Et lorsque vous montrez photo de Timon, vous tout mettez une petite histoire pour dire, un petit paragraphe pour dire, mais comment Timon ça a mouru. Et comment vous dites Francine mouru, c'est tout simplement, il y a deux, trois soldats qui prennent, ils frappent dans le mur, ils écrabouillent dans le mur, et puis tout monte sous lui, il y a piafé sous lui, en sorte que, comme si nous ils font patte à terre. Lorsqu'on a un univers côté la vie monde pas fait sens, ça a justifié. Parce que qui est-ce qui est capable de condamner? Qui est-ce qui est capable de dire qu'il fait bien? Qui est-ce qui est capable de dire qu'il fait mal? Puisque de toutes les façons, pas gain absolu. Puisque de toutes les façons, pas gain bon Dieu. Et qui va le nous pral dire qui bien? Et donc, dans un univers pareil, comme on pral dit, qui est-ce monde qui gain raison? Et donc, dans un univers sans bon Dieu, chaque monde tout simplement besoin vivre pour tête yo. Chaque monde besoin faire ça yo connaît bien pour yo même. Et c'est ça nous joine dans histoire dans juge, il dit que à cette époque chaque monde t'a fait ça yo vle. Et c'est comme ça yon univers sans bon Dieu, yon univers sans bon Dieu insoutenable. Yon univers sans bon Dieu li carrément incohérent, li pas fait sens. Li pas fait sens parce que pas ka distinguer le bien et le mal. Et lorsque vous réfléchissez à Richard Dawkins, qui a dit tout à l'heure que tout simplement nous sommes des machines à propager l'ADN.
et que nous pas gain ni conception, pas gain ni dessin, pas gain ni but, pas gain ni bien, pas gain ni mal. Et c'est pas n'importe qui dit. C'est une meilleure biologiste qui existe sur planète là. Mais c'est conception pâle. Conception pâle, c'est un univers sans Dieu. Et nous pourrons le montrer tout à l'heure que y a un univers comme ça, est insoutenable. Et c'est ça qui fait thème noir, l'absurdité de la vie sans Dieu. Il est fondamentalement incohérent pour que moi et ma vie vivions la vie qui sans Dieu, il finit pas faire sens. Parce que tout le monde est capable de vivre sans que vous ne vous compte à rien à personne. Parce que de toutes les façons, pas un jugement divin. Si pas un jugement divin, si pas un jugement après la mort, donc qui ça empêche me faire ça me voulait? Qui est-ce qui pral dire que ça me fait pas bien? De toutes les façons, pas gain bien, pas gain mal. Parce que qui est-ce qui a défini bien? Qui est-ce qui a défini mal? Pour que me définisse le bien et le mal, faut qu'on législateur. Et si pas gain législateur, pas gain bien, pas gain mal. Et donc tout le monde capable faire ça ou voulait. Il y a des gens qui disent, effectivement, capable de bien, capable de mal, mais tout simplement, il y a situationnel. Donc, c'est éthique PAM. C'est-à-dire que lorsque le bon pour moi, il me fait, parce que le marché pour moi. Donc, pas une question de éthique vraiment. Donc, est-ce que le marché pour moi? Si le marché est bon, dans un univers sans Dieu, c'est comme ça la logique là. Est-ce que le marché pour moi? Est-ce que le fait sens pour moi? Est-ce que je réussis la donne? Si je réussis la donne, il est bon. Est-ce que le pas marché pour vous? Il pas fait sens pour vous? Mais le pas bon. Et donc, but nous, il va exister encore, nous pas gain but. Donc, tout est relatif. Et pendant que je dis que tout bagay est relatif, nous comprenons que même relativité a son bagay qui pas fait sens en lui-même. Lorsque moi dis que un bagay est relatif, pour me capable de dire un bagay relatif, il faut que moi j'ai un référentiel pour me comparer. Faut me dire tel bagay relatif par rapport à telle chose. Et telle chose, ça, lui-même, lui obligé absolu. Parce que relativité, il faut que moi compare avec un bagay qui n'a pas changé. C'est même genre lorsque je compare vitesse. Lorsque je dis un bagay pral vite, un bagay pral vite par rapport à qui ça? Un bagay pral vite par rapport à un bagay qui pral moins vite. Un bagay vite par rapport à un bagay qui statique. Et donc, c'est même genre avec changement. Si pour mesurer changement, il faut que je mesure changement par rapport à un bagage qui n'a pas changé, pour me dire effectivement, ça n'a pas changé ou bien ça a changé. Et donc, le concept de relativité en lui-même n'a pas fait sens, n'a pas campé sur rien, donc il est insoutenable. Maintenant, dans un monde sans Dieu, qui est-ce qui est capable de décider? Qui est-ce qui est capable de décider que ça a bon ou bien ça a mal? Qui est-ce qui est capable de décider? Qui est-ce qui pourrait dire que Hitler te vivait une mauvaise la vie par rapport à Mère Teresa, par exemple? Par rapport à moi-même, par exemple. Qui est-ce qui pourrait le dire ça? Puisque de toutes les façons, pas un bon Dieu, pas une personne qui est capable de juger. Et donc, le ça, pas une pièce obligation. Pas une personne qui a une obligation, quoi que ce soit. Parce que tout simplement, ou pas contre ça bien, ou pas contre ça mal, et tout bagaille situationnel, et donc tout le monde a une raison. Mais moi, je suis d'accord avec moi que y a un monde qui est capable de remettre le concept de relativité. Ça. Pour qui ça? Il y a un monde qui remettre parce qu'il fait sens. Parce que dans un univers côté tout le monde a raison, tout le monde dit bon mon cher vous pratiquez religion pas moi-même pratiquer religion pas moi-même moi sont athée c'est comme ça me croire donc ou même ou croire en Jésus-Christ bien content pour vous-même ou croire en Bouddha bien content pour vous-même ou croire en Confucius bien content pour vous-même ou même c'est dans Mahomet ou croire formidable belle bagaille donc tout le monde joigne en pile monde t'a aimé vivre dans un univers comme ça mais ça insoutenable pour qui ça on prend apprentissage si m'a vivre dans un univers côté tout le monde a raison. Et donc, pas une personne qui peut apprendre quoi que ce soit. Donc, pas une façon pour me capable de sortir de une connaissance fausse à une connaissance vraie, puisque de toutes les façons, tout le monde a raison. Si tout le monde a raison, c'est que tout le monde à la fois vrai et tout le monde à la fois faux. Mais si tout le monde à la fois vrai, tout le monde à la fois faux, est-ce que ça fait sens? Il n'est pas capable à la fois vrai pour en même temps pour le faux, parce qu'il viole la loi de la non-contradiction. Et donc, il n'a pas fait sens, concept de relativité. Et donc, quatrièmement, si pas un bon Dieu, si pas une immortalité, et donc finalement, pas un but ultime. Et tout ça captant nous à bras ouverts, c'est la mort. Et si c'est la mort captant nous à bras ouverts, question que vous avez besoin de poser, tout, et pour qui ça a même vivre finalement? À qui ça a été servi que vous-même vive? D'autant plus que la mort est capable de frapper à n'importe qui moment, ou capable de sauter là, et la mort dure, même moins. Et donc, si la mort aussi inévitable, et si la mort aussi certaine dans la vie,
finalement, pour qui soit besoin même vivre, ou pas même compte qui quantité de jours que vous vivre, l'homme est capable de frapper à tout moment, et donc pour qui soit fait, soit fait. Pour qui sa activité ou faire ou gain autant de valeur dans yeux, puisque de toutes les façons, pas grand rien qui servit à rien, vanité des vanités, tout est vanité, donc tout bagay fini. Et si tout bagay fini, pas gain aucun événement dans la vie ou qui fait sens. Mais peut-être que monde qui capable dit non, mais faites attention, parce que moi-même, moi capable influencer monde à travers la vie, moi capable influencer le cours des événements, moi capable influencer le cours de l'histoire à travers la vie. Mais finalement, si l'histoire pas fait sens, si événement n'a pas fait sens, influencer le cours de l'histoire, influencer la vie monde, à qui ça a servi? Salomon t'a dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Parce que Salomon t'a réfléchi dans une perspective pareille. Salomon a réfléchi dans un monde sans bon Dieu, à qui ça la vie semblait. Et donc la vie n'a pas fait sens, n'a pas gain raison d'être. Et tout ça qui est destiné pour nous-mêmes, c'est que finalement l'homme qui s'allie, l'homme en conclusion, l'homme, m'a dit en français, l'homme n'est qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité. Mais tout ça que nous y est, c'est un boule la boue qui tout simplement a une capacité pour le réfléchir. Mais ça, l'homme y est dans la définition. C'est comme ça que vous voulez montrer nous l'homme. C'est comme ça que vous voulez montrer nous. Mais nous avons réalisé que c'est une conviction qui n'est pas soutenable parce que pas de monde qui peut condamner la guerre, pas de monde qui peut condamner le viol. Pas gen moun lorsque ou on meurt, yo pas condamné, mais si sou ki base ou d'accord pour condamner. Sou ki base ou d'accord pour dire ça pas bon puisque pas gon bon Dieu pour définir le bien avec le mal. Sou ki base pour dire puisque de toutes les façons mal là avec bien li situationnel. Ça bon pour en faire, ça pas bon pour tout simplement pas faire. Et donc sou ki base pour me juger crime. Et gen pile monde qui remet comme ça, gen pile monde qui ta remet vivre dans un monde côté personne pas juger personne pour style de vie yo. Personne pas dit personne ou pas gain doit vivre telle façon parce que de toutes les façons pas gain bon Dieu qui pour définir qui ça qui bien qui ça qui mal. Et donc dans un univers pareil pas gain but pas gain sens et donc la vie nous pas vaut absolument en rien parce que tout ça nous y est, nous c'est produit temps matière avec chance. Comment ça fait fait t'es gon explosion qui t'est faite ça gain 13 milliards d'années. Explosion ça a juste été li fait pour contre li, personne pas connaît pour qui ça le fait, personne pas connaît sous qui base qui fait, personne pas connaît qui ça provoqué explosion ça. Explosion ça a juste provoqué pendant que explosion ça a fait, l'univers surgit à l'existence et gagne quelques galaxies qui créé, gagne quelques planètes qui créé parmi lesquelles la planète Terre et donc la vie t'est commencé dans une dimension végétale pour que l'y évolue pendant des millions d'années, sorti dans végétal pour le vin animal, sorti dans animal pour le vin humain. Mais comment nous y est, la vie nous pas gain absolument aucun sens, nous l'a tout simplement par chance. Mais lorsqu'on vit avec une philosophie comme ça, pile monde réalise que l'y pas fait sens, l'y insoutenable. Et donc question que nous besoin poser tête nous, c'est qui option qui devant nous, qui ça qui devant nous comme option, sous qui base nous capables de prendre une décision. Et c'est ça que fait une conférence sur l'existence de Dieu extrêmement importante. Et c'est ça que fait chaque monde a besoin de poser cette question. Ça. Est-ce que bon Dieu existait? Parce que si bon Dieu pas existé, la vie n'a pas fait sens. Si bon Dieu pas existé, pas gain immortalité. Si pas gain immortalité, toute la vie est finie dans ton blanc. Et si la vie ou finit dans ton blanc, pour qu'il soit même besoin de vivre même, puisque de toutes les façons capable de mourir à n'importe quel moment, et l'on mourit, toute bagaille finie. Et donc, qui sens que la vie gagne? Lorsque mon a réfléchi à bagaille ça, il y a un monde, c'est Léo Tolstoy. Léo Tolstoy dit que vous avez quatre options. Vous avez quatre options par rapport à la vie, par rapport à sens que la vie n'a pas fait, par rapport à sens que la vie n'a pas gagné. Si vous êtes capable de suivre sur slide, ok. Léo Tolstoy dit, mais qui attitude que vous êtes capable d'adopter par rapport à problème? La première attitude que monsieur est capable de gagner, c'est tout simplement vivre dans l'ignorance du problème. Donc, vous faites comme si la vie gagne sens. Il y a pile de monde qui vit la vie comme ça. La vie n'a pas fait sens, mais vous vivez comme si la vie t'a fait sens. C'est même Jean Gond auteur qui dit, la vie est une danse et seuls les fous savent la danser. Parce que pour lui, la vie n'a pas fait sens.
son danse liée et c'est seulement monde fou qu'on danse de toutes les façons il pas fait sens et c'est première option que Léo Tolstoï présenté. S'il vous plaît, monde qui sous PowerPoint, avancez avec PowerPoint là pour moi au fur et à mesure que m'a pas avancé. De, non seulement il dit vivre dans l'ignorance, c'est première étape qu'on capable gagner, mais deuxième alternative que il bail, c'est que il dit que nous capable tout simplement admettre problème là, admettre que problème là existait, mais puisque nous admettre que problème là existait, alternative que nous gagnons, c'est tout simplement vivre plaisir nous au maximum. Vivre plaisir nous au max. Deuxième option. Première option, grand pile monde retrouver au la donne. Grand pile monde, même gens avec bête yo, tout simplement vivre vie, tout simplement exister. Yo tout simplement là. Yo connaît que la vie yo pas fait sens, yo connaît la vie yo pas sorti aucun côté, la vie yo pas pral aucun côté, yo tout simplement là. Et nous gen proverbe, moi quoi gon proverbe en créole qui dit plutôt nous l'aide, nous là. Nous tout simplement là. Mais cependant, il y a une deuxième option que Tolstoï a présenté. Deuxième option, c'est tout simplement admettre problème là et essayer maximiser plaisir le plus qu'au possible. Et c'est là que j'ai aimé entrer avec Salomon. Donc j'aime te dire nous son étude sur Salomon. Salomon t'a opté pour option 2. Option 2 pour Salomon, Salomon en tant que philosophe et c'est ça Ecclésiaste veut dire tout. En créole, soit dans la Bible créole, ou après que Ecclésiaste traduit par philosophe là. Donc Salomon en tant que philosophe, il était conscient de l'existence problème là. Il était conscient que la vie pas fait sens et c'est ça que fait toute la journée Salomon a répété près de 20 fois vanité des vanités, tout n'est que vanité. Mais qui option que Salomon a choisi? En nous lit dans Ecclésiaste chapitre 2, nous voir qui option que Salomon a choisi. Dans Ecclésiaste chapitre 2, nous voyons que Salomon il pral gérer problème là. Parce que premièrement Salomon gardé dans Ecclésiaste premier verset 18, Salomon reconnaît que avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Puisque Salomon vient au courant que la vie, il vient au courant de philosophie la vie, il vient au courant de ça qui a passé dans la vie et donc finalement connaissance ça que Salomon vient gagner vient produit chagrin la caille. Donc, il commençait par conclure que, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. C'est-à-dire que Salomon commençait par admettre l'existence du problème. Il admet en tant que philosophe. Mais qui option, il pourrait essayer pour maximiser le plaisir. Il dit dans le verset, dans le chapitre 2, verset 1er, il dit que j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Dans le texte anglais traduit, je t'éprouverai par le plaisir et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Salomon pas dit que il t'a pral tester plaisir. Il te dit il t'a pral tester cœur. Il t'a pral tester cœur pour voir jusqu'à qui point plaisir capable arriver à combler vide qui dans la ville. Parce que c'est ça Salomon t'a réalisé. Salomon réalisé dans la ville, il y a un vide existentiel. On vide que le besoin comblé. En pile monde réalise vide ça dans la vie parce que telle est la condition de l'homme. Chaque monde réalise vide ça. Et donc question à qui sont pas comblé vide par là. Lorsque Salomon conscient de problème là, Salomon dit que eh ben vide pas m'n pral combler avec plaisir. Regardez ça Salomon dit dans le verset 2. Il dit que j'ai dit du rire insensé et de la joie à quoi sert-elle? Verset 3, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Parce que Salomon réalisait que faut le combler vide par là en bagaille, il pas capable rester comme ça parce que la vie pas fait sens. Et puisque la vie pas fait sens, je résolus de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Et donc Salomon lagué colle dans l'alcool pour capable combler vide ça. Et lorsque Salomon réalisait que l'alcool n'est pas capable vraiment combler vide là, dans le verset 4, Salomon dit, j'exécutais de grands ouvrages et je me bâtis des maisons. Parce que tout simplement, Salomon voulait combler vide ça. Je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce.
Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, juste leur enfant né dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avec moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme et des femmes en grand nombre. Tout ça, c'est pour Salomon arriver comblé vide ça. Mais cependant, il y a une bagaille que Salomon n'a pas réalisé et que la science est venue réaliser le plus devant, c'est ça, il y a la loi des rendements décroissants. Qui ça, la loi des rendements décroissants, je l'ai dit? Ça veut dire que yon unité de bien additionnel pas procurer ou le bonheur. Yon kaye en plus, yon deuxième, yon troisième kaye pas ba ou la joie. Yon quatrième bien en plus, yon petit plaisir en plus pas bo plus joie parce que tout simplement à partir d'un certain moment de la durée, rendement ou bien bénéfice qu'on capable tirer là-dedans là, l'a décroître. Et donc puisque l'a décroître, donc ou tourner kounya là tant qu'on junkie, ou a sorti de plaisir en plaisir. Ou a sorti pour comme on capable faire pour capable joindre une satisfaction maximum non plaisir. Pendant m'a dit ça, m'a pensé avec un cousin qui dit même t'es dans situation ça. Parce que l'a regardé vide qui dans la ville, il dit pas qui ça le besoin combler vide par là. Et c'est ainsi monsieur Lagécole n'en fumait marijuana, n'en fumait pas Jean Audi. Monsieur tellement fumait pas et que il vient arriver dans un sens que il vient pas gagner empreinte encore. Il vient pas gagner empreinte parce que monsieur dit que il joigne utilité dans consommation bien, c'est le rally dernier paf là. Et donc c'est comme ça toujours fonctionner dans rally dernier paf, monsieur finit pas perdu empreinte lui. On l'aime songer mal la caille. Et puis monsieur dit regardez m'a chercher bagaille là m'pa ka joindre ni. Me dit monsieur mais qui soit ap chercher? Et puis monsieur dit mais et pas m'a chercher bagaille là. Monsieur ap chercher un papier pour le fumer marijuana. Donc on a qui ça l'a chercher l'pa ka joindre ni? On bible. Et donc moi monsieur rejoint une bible, il rache page bible là et puis monsieur commence à développer marijuana, me dit oh cousin, c'est pas bagaille ou supposé faire. Monsieur dit non, l'homme fume dans bible là moins hype vite. Me dit monsieur ah bon et puis moi-même m'te gagne on dès qu'il y a un peu de crainte de Dieu là quand même, et me dit cousin, c'est pas mal pour faire non parce que ouais livre ça, son livre qui compte protéger mon oui. Monsieur dit ah la l'école là, quoi de livre qui compte protéger mon là. Alors si la Bible compte protéger mon, maison haïtienne de la Bible, son chat de guerre lui-même. Mais c'est ça le dit comme réflexion. Mais c'est ça l'a chercher chaque temps, il y a un bagage supérieur et c'est ça a plaisir faire. Il y a un auteur que moi-même il dit que situation qui est plus difficile dans la vie. C'est que c'est lors qu'on est plaisir que t'apprends le bas ou sensation pi maximum non lorsqu'il tombe dans plaisir soit réalisé que le pas satisfait ou. Et c'est ça plaisir fait plaisir toujours promettre un bagage extra mais lorsqu'il gagne nous réaliser que il pas aussi extra que ça bien personnel toujours comme ça ou toujours rêver que si m'étais possédé bien ça si seulement m'étais gagné accès à ça mais qu'au fin gagne accès à lui-même qui soit réalisé vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Et c'est ça, Augustin dit. Il dit que en dedans nous gon vide et vide ça a une forme bon Dieu et que nous absent repos jusqu'à ce que bon Dieu joigne place dans vide ça. Et c'est ça Salomon pas comprendre. Salomon a multiplié. La Bible dit nous que dans le verset 9, qu'il y a Salomon l'a joué sous quatre politiques là. Il dit je devins grand. Plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Combien de monde qui a dit ça? C'est que Salomon arrivait dans un point, pas qu'on bagaille livlé, le pas joint. Réalité, tout le monde qui a vivre là, c'est que grand pile bagaille ou souhaité gagner, qu'on pas gagner. Grand pile bagaille ou t'as remé gagner, que malheureusement, pas jamais qu'a gagner. Mais Salomon pas de problème ça. Pas qu'on bagaille que Salomon te vle que le pas gagner. Salomon, qu'on côté le rivé, il sentit que. Peut-être pas besoin seul fin dans la vie. Et qui s'est passé? Il y a un premier, il y a la ville pas satisfait. Eh bien, il prend un deuxième. Il prend un deuxième, il y a la ville pas satisfait. Il y a vide là pas comblé. Il prend un troisième. Finalement, on a combien de dérivés? À 1000. La Bible dit nous que Salomon a gagné 300 femmes et 700 concubines. 300 femmes. C'est comme si Ndadou Salomon marié 300 fois et il a gagné 700 maîtresses. Combien de monde ont besoin dans la vie ou pour que comble vite ça? Bon, c'est des fois plus gros erreur que nous faisons, c'est lorsque nous mettons fardeau la vie nous sous dos monde. Nous connaissons un monde qui va le rendre nous heureux. Et c'est là ça nous vient très malheureux.
Nous estimons que son relation pour le combler nous. Il y a pile monde qui pensait son promotion pour le combler la vie. Yo. Il y a pile monde qui pensait son relation pour le gagner. Si seulement vous avez une relation ça, si seulement vous avez une opportunité ça, la vie vous tape comblé. Une très mauvaise nouvelle vous. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Salomon dit dans le verset 10, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucun plaisir. Je n'ai refusé à mon cœur aucun plaisir. C'est-à-dire que non seulement Salomon l'a utilisé tout plaisir que tu as dans l'époque pâle, et même l'a inventé l'autre plaisir tout. Donc, pas de monde qui était capable de voter dans l'hédonisme, même gens que ça, avec Salomon. Pas de monde qui était capable de jouir la ville, même gens avec Salomon, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part qui m'est revenue. Et puis, j'ai considéré les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'ai prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et donc, deuxième option, ça, que Léon Tolstoï a proposé, nous, c'est une option qui n'a pas fait sens. Et donc, troisième option que lui proposait, c'est admettre et se suicider. C'est admettre que la vie n'a pas fait sens et tuer tes tout. Suicide, c'est première cause de décès parmi les adolescents dans les pays développés, particulièrement dans les pays scandinaves. C'est première cause de décès. Pour qui ça? Parce que la vie vient pas faire sens pour eux-mêmes. Pas de challenge encore, pas de défi encore, pas de but encore, pas de sens encore. Et donc finalement, à quoi bon vivre? Et donc, ils choisissent l'option ça. En pile, jeunes choisissent l'option ça. Et je vous dis, il y a un phénomène côté jeune, l'a filmé sur Facebook et puis l'a tué tête li. Pour qui ça? Parce que la vie pas fait sens et c'est comme ça le constate. Et quatrième option que Léon Tolstoï fait, c'est admettre et continuer à vivre sans but. C'est finalement ou admettre que la vie n'a pas fait sens, mon d'accord pour juste vivre. Ou juste vivre. Ou tout simplement faire semblant. Ou faire semblant. Et donc ça, c'est ça où il y a un suicide philosophique. Ou d'accord que la vie n'a pas fait sens. Ou d'accord que ou là en vain. Ou d'accord que ou pas pral aucun côté. Ou d'accord que pas grand rien qui fait sens dans la vie. Mais ou juste d'accord pour continuer à exister. En sorte que pas de pièces différentes entre même et caméra. Pas de pièces différentes entre même et chaise. Même si la caméra a obtenu l'heure pour obsolète ou même a obtenu l'heure pour mourir. Donc pas de différence fondamentale entre même et un objet. Parce que la vie n'a pas fait sens. Et c'est ça que Léon Tolstoï, lorsque l'a réfléchi sur l'absurdité de la vie, donc lui-même en tant qu'on athée, mais ça le fait comme proposition. Il y a un deuxième auteur qui fait l'autre proposition, c'est Søren Kierkegaard, qui lui même je fais une proposition, mais proposition par la chita sous gens que le comprennent la vie. Donc pour monsieur, la vie, c'est un bagage qui construit à différents niveaux. Et d'abord, au grand niveau et éthique, esthétique, ensuite qui vient au niveau éthique, et finalement au grand niveau de la religion. Qui ça le présente nous? Il présente nous d'abord où commencer la vie avec dimension esthétique là. Même genre avec Salomon. Donc, je n'ai refusé à mon cœur aucun plaisir. Donc, on va chercher des choses qui vous satisfaire. Et donc, premier niveau, la vie, on a sens ça, l'y centrer uniquement sur vous-même. Donc, on va chercher pour comment on est capable de satisfaire la vie. À travers le sexe, à travers l'art, à travers la musique, à travers l'acquisition, à travers l'accumulation. On va accumuler sur accumuler pour essayer de combler vite ça, parce qu'on a une dimension ça. Mais on va le réaliser très bientôt à cause de la loi des rendements décroissants. Et que pas grand yé nan bagay sa ou kap finalement satisfait la vie ou. Et c'est le sort pour le passer dans la deuxième dimension. Mais avant même que m'entre dans la deuxième dimension, nous avons parlé de Abraham Maslow, qui sont un monde que en pile monde là ka connaît très bien, et qui a inventé la pyramide des besoins ou la hiérarchie des besoins. Lorsque Abraham Maslow présentait différents niveaux de besoins sa yo, à savoir pour montrer que pour un monde vivre, et les besoins assurer que des besoins primaires la caille li capable de satisfaire, ensuite ou passer dans des besoins secondaires ou passer dans des besoins tertiaires, etc. Lorsque monsieur présenté schéma ça, tout le monde reconnaît que son réalité et yo applaudit pour ça, parce que effectivement c'est une très belle concrétisation, c'est une très belle mise en page de ça qui a passé dans la vie monde. Cependant, avant monsieur mourir, monsieur réalisait que il y a un pile monde qui franchit différentes étapes ça. Il y a un pile monde qui pas gain problème besoin primaire. Parce que besoin manger ou résoudre. Il y a un pile monde qui pas gain problème sécurité encore.
gen an pile moun besoin sociaux yo satisfait parce que yo pa gen côté pour mettre zanmi encore. Gen an pile moun qui pas à cause de ça yo fait dans la vie, yo vinn gen pile estime de soi et gen an pile moun qui gen an pile accomplissement personnel, mais cependant monsieur réaliser que moun sa yo fondamentalement malheureux. Monsieur font étude auprès des athlètes aux États-Unis, des athlètes professionnels et des célébrités. Et monsieur interviewe moun sa yo. Monsieur wè que athlète sa yo et célébrité sa yo, yo gen tout bagay wè nan pyramide lan, mais cependant la vie au style pas fait sens. La vie au pas fait sens, yo gen tout bagay même genre avec Salomon, mais la vie au pas fait sens. Et c'est ainsi que Abraham Maslow déterminé que l'a gagné yon l'autre niveau, un sixième niveau que l'a ajouté, c'est ça relé l'auto-transcendance. Auto-transcendance, mais malheureusement monsieur mourit avant que le publié dernier et c'est ça. Auto-transcendance, ça le veut dire, ça veut dire que gon stade ou rivé ou pas supposé vivre pour tête ou encore. La vie ou pas fait sens aussi longtemps que c'est pour tête ou à vivre. Parce que si vous regardez dans la pyramide, là, tout ça qui passe dans la pyramide, là, fait pour vous-même, pour moi, pour soi, pour ego, pour vous-même personnellement, mais pas rien en dehors de ça. Pas rien en dehors de la pyramide là, par rapport à l'autre monde, ou pas vivre pour une cause, et fondamentalement, ou malheureux. Et c'est ça Abraham Maslow a réalisé. Et Abraham Maslow, pas de chrétien. C'est tout simplement une recherche empirique qu'il fait, l'interview des monde. Des mondes qui t'a supposé heureux, mais qui malheureux, et lorsque le poser aux questions, il réalisait que gon l'autre dimension que monde supposé atteindre pour que la vie soit capable de faire sens. Et c'est ainsi que c'est ça, et Soren, ouais, et lui, ouais, que nous obligés de passer dans une deuxième dimension, une dimension éthique. Une dimension éthique, côté qu'on y a dit tout, ok, d'accord que la vie n'est pas capable de satisfaire seulement pour tête pam, mais est-ce que je suis pas capable de vivre dans la dimension que Abraham Maslow a parlé? Une dimension côté la vie à vivre pour une cause, une dimension côté la vie morale. Mais cependant, ce qu'on peut réaliser là-dedans, c'est que même dimension ça, il y a une insatisfaction. Insatisfaction dans le sens que standard de vie que vous menez pour vivre tête ou en, ou pas capable de vivre dans le standard de vie moral ça. Et ça, c'est le prochain slide, nous finissons à Maslow. Et donc, standard de vie que vous cherchez, donc li, ou pas capable de vivre là-dedans encore. Ou pas capable, c'est même genre avec monsieur ça qui est marié, mais qui dans l'obligation pour l'aller adulte parce qu'il n'est pas capable de tête. Et c'est même genre avec moun ça qui dit tête li que le pape baye menti, mais le réaliser que la baye menti, li reconnaître que baye menti pas bon, mais il juste pas capable aider tête li. C'est même genre avec moun ça qui dit que m'pa pas faire fornication, c'est dit dil pa fèl, mais le fèl li pas rendre compte. Parce que tout simplement il pas capable vivre dans dimension éthique ça que le baye tête li. Et donc sous qui ça débouché? Ça débouché sous l'insatisfaction, ça débouché sur la culpabilité et ça débouché sur le désespoir. Et ça qui passe, c'est que bon Dieu fait la vie nous comme ça. Bon Dieu fait la vie moi avant, dans le sens que a toujours une insatisfaction divine. Et c'est insatisfaction divine ça qui conduit nous à lui-même. Parce que nous faisons comme ça. Et c'est même insatisfaction ça que Salomon a gagné. Et finalement, Soren dit que dernière étape là, c'est l'étape religion. C'est lorsque moun sa, il finit par découvrir bon Dieu. Il finit par connaître qui est ce bon Dieu et il a une relation personnelle ensemble avec lui. Et c'est là et là, le ça seulement que l'homme capable effectivement dit que il joint une satisfaction personnelle. Et là encore, il est limité parce que nous pouvons effectivement dans la présence de Dieu. Un troisième auteur qui réfléchit sur qui sans sou capable bailler la vie, c'est Blaise Pascal. Blaise Pascal, faut me dire que c'est lui-même qui a inventé la théorie des probabilités. C'est-à-dire que statistique en tant que science, en tant que domaine d'étude, pas capable d'exister si ou pas de gain monde ça que ont relé Blaise Pascal. Mais Blaise Pascal vient avec son relé deux options lui-même pour vivre la vie par rapport à l'absurdité de la vie, par rapport au fait que la vie pas fait sens, ou gain deux options devant. Et c'est ça le relé le pari pascalien. Un monde capable choisir que il dit que bon, si quelqu'un parie sur l'existence de Dieu et qu'il existe vraiment, ou dit que bon Dieu existait et que bon Dieu existait vraiment. Et donc le ça ou gagner la vie éternelle et le bonheur infini. C'est comme si Ndadjo ou fait décabès. Mais si ou parie que si ou parie sur existence bon Dieu et que bon Dieu pas existé vraiment, qui sont perdus? Qui sont perdus sous qu'on dit que bon Dieu existait et que bon Dieu pas existé? Ou tout simplement te vivre une vie morale, ou te tout simplement te vivre une vie dans la paix? Qui sont perdus ou pas perdus absolument rien? Cependant, mais s'il parie que Dieu n'existe pas,
alors qu'en réalité il existe, cela entraîne une perte infinie. Et son gros risque que les monde qui capable de choisir, lorsque vous choisissez dans l'équation la vie ou là que bon Dieu pas la donne, Blaise Pascal dit ou que vous vivez une vie qui risquée. Vous vivez une vie qui extrêmement risquée. Et il dit que l'homme prudent fera donc le pari que Dieu existe. Et finalement, dernier auteur qui considérait la vie. Encore une fois, lorsque vous lisez le livre Salomon, vous avez l'impression que le livre Salomon n'a pas une place dans la Bible. Parce que Salomon, c'est tout simplement un philosophe existentialiste, même genre avec Jean-Paul Sartre, même genre avec Albert Camus, même genre avec Friedrich Nietzsche. Seule différence qui gagne Salomon et M. Sayo, c'est parce que Salomon lui-même était croit que bon Dieu existait, tout simplement que bon Dieu n'a pas investi dans sa cap fête sous le soleil. Donc chaque temps Salomon a parlé sous le soleil, son expression qui répétait une vingtaine de fois dans le livre par là, pour le montrer que bon Dieu n'a pas intervenu dans le bagage. Ça, c'est dossier les hommes qui ont réglé, bon Dieu n'a pas intervenu là-dedans. Mais cependant, dans la fin du livre, parce que Pablo et Ecclésiaste l'ont écrit de façon biographique. C'est-à-dire que Salomon a présenté biographie la ville. À un certain moment de la durée, Salomon a abandonné bon Dieu. Parce que Salomon, la Bible dit dans un livre chronique, que Salomon a quitté cœur séduit par un pile mesdames qui t'a mené vers l'adoration des idoles. Et donc, le ça, Salomon dévié, Salomon perdu, et Salomon a retrouvé. Mais lorsque Salomon finit faire toute expérience, ça, prochain slide. Lorsque Salomon fait toute expérience, ça, et donc Salomon arrive et conclut comme ça. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et donc Salomon réalise que car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et si vous regardez pour le début discours Salomon et fin discours là, c'est deux bagages diamétralement opposés. Dans premier, au début du discours, là, Salomon dit « Just vive la vie. » Mais c'est comme ça qu'il vit, vit par le tout. Et M. Montreau, dans le chapitre 2, comment il vit une vie extravagante, quand il pas privé Dieu de un yin, il n'a pas privé la ville de un yin que le dévelé. Mais cependant, il conclut, lorsque il finit faire toute expérience, ça, lorsque il réalise que la vie n'a pas fait sens sans bon Dieu, lorsque il réalise que pas grand-chose dans le monde ça, qui est capable de combler la ville, il faut me dire en passant, si pas grand-chose est capable de combler Salomon, pas grand capable de combler moi-même avec eux. Parce que c'est quasiment impossible pour un monde répéter l'expérience Salomon. Parce que ou pas de gloire Salomon, ou pas de richesse Salomon, ou pas de sagesse Salomon, ou pas de popularité Salomon. Et donc, si ou pas capable d'investir bagaille ça dans la vie, ou que Salomon t'a investi dans la ville, et que finalement le rendre compte que ça n'a pas aidé, je garantis que ça n'a pas aidé. Et donc, finalement, Salomon a raison, c'est craint Dieu. Et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Et c'est ainsi que Salomon est capable de conclure, mais comment il y a un sens dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. N'a pas quitté Kounia, si, même j'ai annoncé, si il y a quelques monde qui ont une question, ça sont études qui sont plus ou moins spéciales, donc nous permettent que, et vu contenu philosophique, et question ça, et que n'a pas débattre, à savoir l'absurdité de la vie. Donc, autant de monde qui ont question et poser question seulement, nous apprenons que les questions sont centrées sur le sujet d'une part et que les questions sont coûtes. Donc, nous apprenons une question qui a plusieurs volets, une question qui est bien, bien précise, bien claire. Et nous avons besoin au monde, docteur Ricardo Kawabidem, et faire en passer micro baladeur là à n'importe monde qui a une question dans ce sens. Bonsoir. Non, pas M. John. Pasteur Jules, question pas maintenant, c'est. Il dit très souvent que tout livre dans la Bible inspiré par Dieu. Ecclésiaste, pape inspiré par Dieu. Merci. Et merci beaucoup pour la question. La Bible répond à une question là déjà. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc, puisque Ecclésiaste, si des écritures, Ecclésiaste est. Bon Dieu permet que l'expérience lui permette que le capable d'entrer en canon. Pour qui ça, bon Dieu fait? Lorsque Albert était de la vie, lorsque Friedrich Nietzsche a réfléchi que la vie n'a pas fait sens, lorsque Jean-Paul Sartre
a dit que la vie pas fait sens, nous voyons que gon monde qui était devant CEO, qui te voyait effectivement la vie pas fait sens, mais la vie pas fait sens c'est lorsque bon Dieu pas dans l'équation. Et monsieur ça dans l'équation par roi bon Dieu pas la donne. Et c'est ça qui fait option que vous présentez, yo dit c'est suicider tête tout. Sou pas gagner assez de courage pour suicider tête tout, armé ou de courage pour vivre une vie qui pas fait sens ou bien tout simplement faire semblant. Mais ça vous propose comme raison pour capable dire ou pour être capable vivre parce que tout simplement fondamentalement dans la vie au grand vide et au réaliser que puisque toute bagaille a fini après la mort et si toute bagaille finit après la mort donc pas gain sens à la vie effectivement c'est vrai parce que si toute bagaille finit lorsque nous mourir la vie pas fait sens et c'est ça Paul a dit dans 1 Corinthiens 15 lorsque Paul a dit que si Christ si, il dit que si s'il n'y a pas de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité. Par contre, soit juste qui côté Paul aller pour Paul capable insister sur le fait que gon résurrection des morts et Paul aller loin pour dire comme ça que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Donc espérance en monde si c'est sous terre ça seulement ou son monde qui malheureux n'a en vie qui sans sens. Bonsoir à tout le monde. Moi-même c'est Miss Lefevri. Alors question Pam non? Tout d'abord, je suis capable de dire que je félicite en pile pour la présentation. Hein? Donc, je trouve que c'est vraiment formidable. Et un personnage, tant que Salomon, bon Dieu, te fait un gros parcours avec lui, fait venir un sage qui te fait un paquet de bagages en Israël. Dans le premier temps, on a regardé au début, monsieur était gagné. Yon très rapprochement vers Dieu, mais à un certain moment, monsieur vient descendre très bas pour le capable même arriver dans un niveau parmi considération faite avec quelques autres personnages, même qui c'est païen. Donc, qui possibilité d'après vous pour un personnage comme Salomon arriver bénéficier les saluts? Contrairement avec Jean Bondier te prani et façon le vin descendre dans un niveau très bas spirituellement. Très bien, merci. Une caractéristique nous connaît dans bon Dieu c'est que et bon Dieu pas changé et donc bon Dieu est pas il pas évolué et il pas évolué avec le temps et il pas évolué avec l'espace. Il est vrai que lorsque Jésus-Christ vient, Jésus-Christ lui révèle nous une autre dimension dans bon Dieu que monde dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de connaître ou bien il n'y a pas de comprendre. C'est la grâce. Mais cependant, bon Dieu était toujours été un Dieu de grâce. Et si vous lisez dans Somio, vous pouvez que il y a plusieurs psalmistes qui mettent un peu l'accent sur ça. Car sa miséricorde dura toujours. Donc, bon Dieu était toujours un Dieu de miséricorde. Et dans sa miséricorde, il a décidé de faire grâce à Salomon. Et expérience Salomon, c'est une expérience qui est utile aujourd'hui. C'est ça qui fait nous capables de faire une conférence. Ça. Si Salomon pas fait toute expérience ça yo, peut-être jodi a gon monde qui était capable dire que bon, peut-être que si moi gain et deux trois mesdames en plus dans la vie, ça a comblé vide que moi gain dans la vie. Peut-être que gain monde qui était capable dire que et si moi gain pouvoir suprême que moi capable gain, m'pas senti vide là encore. Peut-être gain monde qui était capable dire si que moi capable posséder des biens extraordinaires, m'pas senti vide là encore. Mais Salomon est en doux ça. Parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, bon Dieu quitte Salomon tombé pour notre relèvement. Et c'est ça qu'on n'a pas fait erreur, ça. Et ça qu'on n'a pas capable de faire erreur pour nous essayer de combler la vie, nous, à bagaille qui n'a pas jamais comblé la vie, non. Nous pas supposé faire erreur, penser que son relation qui va faire différence dans la vie, non. Et que son monde qui va le bannir le bonheur. Bonheur là, ou pas jouer ni en dedans, bonheur là, c'est dans le monde. C'est seulement dans Christ qui est capable de jouer. OK, s'il n'y a pas d'autres questions. OK. OK, dis-nous merci pour et monde qui t'a participé dans et dans conférence ça, c'était en première partie. Dans première partie, ça qui intéressait nous, c'était tout simplement montrer l'absurdité d'une vie sans Dieu. Et dans deuxième partie qui fait mercredi prochain et nous allons continuer étudier philosophe ça, mais nous allons entrer dans les détails. Détails ça est extrêmement important pour qui ça? Parce que ces détails, ça, lorsque Timon arrive dans l'université, lorsque vous étudiez philosophie, c'est lié au enseigner. Et lorsque vous mettez ça dans la tête de Timon, vous dites que vous ne venez pas prendre un bon Dieu encore.
Et donc, il est extrêmement important pour que nous soyons capables de connaître les choses. Nous sommes capables de connaître qui argument que, en général, ils ont utilisé lorsque ils voulaient montrer que bon Dieu n'a pas existé. Et c'est ça que nous voulons commencer avec l'argument ça. Montrer effectivement si bon Dieu n'a pas existé, mais à qui ça la vie nous semblait. Si bon Dieu n'a pas existé, c'est que pas gain immortalité. Et si pas gain immortalité, c'est que toute bagaille finit dans ton bois. Si toute bagaille finit dans et mais la vie n'a pas fait sens. Si toute bagaille finit dans ton bois, la vie n'a pas gon but. Et puisque la vie n'a pas gon but, pas gagné ou fait dans la vie ou qui gon sens. Parce que de toutes les façons qui soyez, ou c'est Jean et M. Scientifique Yodil, ou c'est tout simplement un boule la boue qui développe la rationalité. Ou pas absolument rien. Et lorsqu'on prend un monde en cours et Richard Dawkins qui dit que il n'y a pas de dessin. Il n'y a pas de conception, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'absolu. Nous sommes tout simplement des machines à propager l'ADN. Ben, c'est un bagage qui est extrêmement dur, particulièrement venant d'un scientifique et qui est capable de parler comme ça. Et il est important pour que moi-même, en tant que l'Église, nous réfléchissions sur bagage ça. Parce que c'est des courants et cap dominer le monde entier. Il y a un pile de monde qui pose des questions ça. Mais ça que nous avons besoin de montrer à soi, fondamentalement. Nous devons montrer que il y a une hypocrisie là en pile scientifique. Il y a une hypocrisie là en pile chercheur. Et lorsque nous parlons de scientifiques, il y a des hommes de science qui sont chrétiens, il y a des hommes de science qui sont athées. Donc, pas une sorte de dichotomie entre la Bible et la science. À plusieurs égards, la Bible confirme la science et la science confirme la Bible. Et peut-être plus devant, nous sommes capables de montrer comment. Et une façon capable d'approcher la Bible, c'est arriver à comprendre que la Bible d'abord est un livre historique. Et la Bible, c'est le seul livre religieux qui existait dans la librairie des congrès aux États-Unis, dans le rayon des livres d'histoire. Donc la Bible passe test ça comme un livre historique. Donc vous êtes capable de faire confiance. Si vous ne croyez pas que la Bible est un livre qui est inspiré, mais faites la Bible confiance comme un livre qui est historique, historiquement fiable. L'autre bagaille que vous réalisez dans la Bible encore, c'est en pile fouille archéologique. L'archéologie, c'est une science. Qui fait partie son domaine de la science. En pile, sinon, toute fouille archéologique a confirmé la Bible. Donc, on est capable d'accord que la Bible est factuellement vraie. Et donc, on est capable de baser sur ça. Mais on est capable de garder une troisième dimension tout dans la Bible, c'est que la Bible est un livre prophétique. Et lorsqu'on regarde des prophéties qui étaient annoncées dans la Bible, et une prophétie, ça, c'est prophétie sur la destruction de Tyr. Et quand on lit dans Ézéchiel, Ézéchiel a prophétisé que Tyr sera détruite. Mais lorsque Ézéchiel a fait prophétie, ça, son bail qui n'a pas fait sens pour personne, parce que Tyr, c'est en puissance. Comment on aurait en puissance pour le détruire? Pas en puissance qui est plus gros que puissance ça, mais on dit pour le détruire. Mais ça ne vient pas faire sens pour personne. Et c'est ainsi que vous venez une puissance qui émergeait, qui c'est Babylone. Lorsque Babylone émergeait, Babylone dit, ça que t'es Tyr là, et même pour le détruire Tyr. Et lorsque Nebuchadnezzar a l'attaqué Tyr, il crée un siège autour de ville là, il a siégé pour voir est-ce qu'il est capable de détruire ville là. Et ça m'a dit nous là, c'est ça que la Bible dit, mais c'est ça l'histoire rapportée. Et lorsque Salomon fait siège là, monde pas capable de sortir dans ville là. Donc kounya là moun yo frayé un passage pour que yo quitte Tyr pour y aller dans une ville voisine à l'insu des Babyloniens. Donc kounya lorsque yo rive dans ville ça, yo prend bateau, yo rive dans cette île là et donc yo érigé des fortifications autour de île là. Et donc kounya lorsque Salomon, lorsque Nebuchadnezzar ouais que siège là duré trop longtemps, il décide rentrer la caille. Donc Tyr pas détruit. Et lorsque Tyr pas détruit, grand pile monde qui passait Ézéchiel dans Rizib parce que on rend compte que monsieur pas de compte ça l'a dit parce que Tyr pas qu'a détruit. Monsieur Tamban, ou t'a pas gagné un autre tyran, que t'a pas relé Alexandre le Grand et tout ça aussi des bagages que l'histoire vérifie. Lorsque Alexandre le Grand vini, Alexandre le Grand besoin comprendre pour qui ça que Tyr était capable résister à Babylone. Et donc là ça Alexandre le Grand libéral mettait en place une machine militaire qui est imposant dans toute l'histoire de l'humanité. Là, il prend reste qui était là dans la ville Tyr là, il prend, il fait le tourner gravier et il utilise le comme une digue pour être capable de construire une digue entre ancien Tyr là et il côté aux réfugiés. Et qui ça Ézéchiel te dit dans la prophétie là? Ézéchiel te dit que non seulement Tyr gain pour détruire, mais vestiges et reste Tyr pour aller des pêcheurs pour aller camper sous vestiges Tyr pour pêcher poisson. Tout le monde devait son bail impossible.
Mais avec digue ça que Alexandre le Grand fait, quelques siècles plus tard, on voit des pêcheurs qui campaient sous digue ça qui pêchaient poisson. Et ça fait 270 ans après prophétie. Donc on livre comme ça, ou pas ta supposé bal attention dans la vie. Ou pas on livre comme ça, ta supposé réfléchir sous lui en l'autre façon. Et donc moi-même, c'est conviction parmi ça. Donc c'est une opportunité que nous sommes capables d'utiliser la Bible. Et ouais, pas gain vraiment dichotomie entre la Bible et la science. Et moi-même, je suis homme de science, présenté tête moins comme ça. Je suis scientifique, mais cependant, moi, la Bible, dans ça que je fais, dans la recherche que moi-même, moi conclue, et dans la recherche que moi-même, moi conduis dans ce sens-là. Donc, prochaine étape que nous pourrions faire, nous pourrions tout simplement, puisque nous sommes gardés que la vie n'a pas fait sens dans la perspective philosophique, qui vivent dans l'univers sans bon Dieu, et dans la perspective Salomon, qui vivent dans un monde côté bon Dieu pas intervenu. Deuxième étude que nous pourrions faire, nous pourrions parler sous sens la vie. Est-ce que la vie finalement a sens dans la perspective par bon Dieu? Et s'il a sens dans la perspective bon Dieu, qui ça sens là? Et c'est ça nous pourrions voir mercredi prochain dans la prochaine étude que nous avons gagné. Amen. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour l'opportunité que nous avons pour que nous capables et réfléchir sous parole. Et merci Seigneur parce que et parole ou vraie. Et ça on dit hein, Seigneur à bouche ou fait. Et Seigneur l'histoire et son témoin Seigneur. Son témoin que ça ou même ou t'es annoncé d'avance ou fait yo. Et Seigneur nous connaît que peut-être des monde qui gain vide ça dans la vie aujourd'hui a qu'à poser cette question, est-ce que la vie yo gain un sens? Surtout lorsque attendez des monde qui replacé et qui cap dit que la vie pas fait sens. Mais Seigneur, nous reconnaissons effectivement la vie pas fait sens lorsqu'on pas là. Et la vie pas capable de faire sens, Seigneur, si toute bagaille finit dans ton bois. Et c'est pour ça, Seigneur, où tu es venu, où tu es ressuscité. Où tu es ressuscité, même j'ai la Bible dit, comme une prémisse pour tout l'autre monde qui vient pour mourir. En sorte que vous-même, pour espérance, vous pas fini sous terre. Seigneur, merci parce que vous avez une espérance qui allait au-delà de la tombe. Merci, Seigneur, pour grâce. Nous disons merci. Et nous comptons sur grâce que vous êtes capable de nous, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Nous invitons à camper avec nous pour nous chanter ensemble, pour nous dire Seigneur merci pour le moment où nous sommes passés et remettre les restes maintenant. Allah, on se fait spécial, ma guerre. Allah, on se fait spécial, ma guerre. Allah, on se fait pour moi. Les cachés dans moi, en bas, au prochain côté. La vie a coulé, li caché la moins au dedans poche là, li couvri mon balombrage li, kounye am kone la vie moins assurée. Vive demain, ma peine, ça va briver demain. Il toujours comble moi à bénédiction, il remplit ma grâce, il bénit. À la joie d'un témoin, pas qu'à oublier. Chante un chant pour lui. Lui crache la mouet en dedans gauche là. Lui couvre mon bal ombrage lui. Kounye am kone la vie mouet assuré. Demain,
là, yon sauveur spécial mwen gen. Li prend tout fardeau mieux pour moi. Li met ses bien haut pour pied, pas fait bizarre. Et li bon mieux force sans pareil. Li caché. Li caché la moi, on est dans vos roches là. Chez la moi, li caché la moi, pas de l'embauche là. Merci Seigneur, li couvri m'en bas l'ombrage li. Kounye am kone, la vie moi assure. Ma paix, ça n'a privé de me. Non, moi pas peur. Pas peur, ça va priver demain. Pas peur, ça va priver demain. Nous disons Seigneur merci parce que tu es passé un bon moment avec nous. Nous disons bonne soirée, que bon Dieu bénisse, allez en paix.